au nom de désolant. Il y a de cela 25 ans, vous avez dit. Donc, je fais partie des anciens. Je voudrais d'abord le remercier d'avoir fait le déplacement et le conforter dans l'idée qu'il a évoquée tout à l'heure concernant le format de la communication. Quelqu'un d'ailleurs en a parlé pour dire que l'on communique mais on n'informe pas. Peut-être qu'il y a une différence entre ces deux concepts. Vous, vous êtes des spécialistes. Nous, nous sommes des spécialistes de la sécurité. Mais je voudrais d'abord le rassurer pour lui dire, en réalité, que ses observations vont être prises en compte. Parce qu'en réalité, je discutais d'ailleurs avec un de vos confrères qui est présent dans cette salle, que je vais nommer, le grand journaliste d'Audemine, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé dans l'organisation et la planification de cette activité. Qui me disait en réalité que les communiqués parfois ont, ne peuvent pas être exploités en fait parce que au niveau de la radio on n'a pas les éléments sonores, au niveau de la télé également c'est quasiment très difficile d'exploiter les communiqués. Et de l'autre côté aussi, c'est un élément parfois, un format qui porte préjudice à la communication de la police parce qu'en réalité parfois il y a une utilisation ou une interprétation parfois erronée des concepts utilisés dans le communiqué. Donc il serait beaucoup plus utile de faire un point de presse, une conférence, ça dépendra comme vous l'appelez, mais ça également nous avions considéré en réalité qu'il serait un peu lourd d'être dans une dynamique de communiqué, de conférence de presse mensuelle. Pour nous, il est important de communiquer, mais il est également important de ne pas trop communiquer. Ça également, c'est très très important. Mais ces observations-là vont être prises en compte. D'ailleurs, je suis en train même de voir avec le directeur de la sécurité publique et le directeur général de la police nationale comment est-ce qu'il est possible véritablement d'aller vers cela. De l'autre côté, pour avoir accès à l'information, bon, il y a plusieurs considérations. La première considération, et parfois qui ne peut pas être trop justifiée devant les journalistes, c'est qu'en réalité, nous sommes une force de sécurité, nous sommes un corps commandé. C'est ça le problème. C'est-à-dire, nous n'avons pas toute cette latitude-là, toute la liberté de réagir du tic au tac. C'est-à-dire, il faudrait que tout ce qui se fait soit sous les instructions ou les ordres qui sont reçus de la RH. Ce qui fait que parfois, vous pouvez m'interpeller ou interpeller un service de police. Par exemple, vous avez énuméré tout à l'heure le service, la division de la cybersécurité qui a opéré une saisie au niveau de... qui a interpellé plusieurs personnes au niveau de Mbour hier. Une bande qui était dans le domaine de la cybersécurité, cyberdélinquance. Mais parfois, le chef de service ne peut pas directement intervenir si ce n'est qu'après l'autorisation de sa hiérarchie. C'est ce qui pose parfois ces problèmes, mais nous sommes en train, depuis mon arrivée, de vouloir résoudre ces obstacles-là qui font que parfois, vous avez même besoin de faire des reportages. On vous demande de faire des demandes écrites.
Et ces demandes-là, parfois, dans le, par rapport au délai de traitement, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Mais rassurez-vous, je voudrais d'abord vous rassurer de ce point de vue pour vous dire en réalité que nous avons déjà pris en compte ces observations parce que les communiqués en tant que tels, parfois, desserrent à la communication de la police parce que parfois, on parle, on donne des chiffres, les gens pensent que le fait que le chiffre soit un peu plus important fait que la criminalité a augmenté. Alors qu'en réalité, c'est pas en réalité exact par rapport à la réalité. Donc, pour dire, concernant l'accessibilité de l'information, c'est d'ailleurs ce qui a justifié l'organisation de cette rencontre. Parce que nous avons voulu recueillir de la part des journalistes les problèmes qu'ils ont pour avoir accès à l'information. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si on ne donne pas l'information de par les sources policières, forcément les gens vont aller vers d'autres sources. Et parfois ça peut desservir la communication de la police. Et véritablement nous sommes conscients de cela et nous verrons comment est-ce qu'on peut faire en collaboration avec vous pour pouvoir surmonter cet obstacle-là. Une question en fait qui rejoint la dernière interpellation de M. Gueye, hein, qui parlait de la rapidité un peu par rapport à l'intervention. Je considère que depuis mon arrivée, j'essaye autant que possible de raccourcir un peu les délais qui font qu'en réalité, parfois des journalistes ont sollicité à avoir à faire des reportages et il suffisait de faire juste un message ou d'appeler le directeur général de la police nationale, de lui en parler et pour qu'il puisse donner son avis. Mais le problème qui se pose souvent, c'est parce que parfois il y a des journalistes qui veulent avoir des informations sur un dossier qui est encore pendant, qui est encore dont l'enquête n'a pas encore été bouclée. Et pour de ce point de vue-là, les personnes sont un peu liées par la loi qui veut qu'en réalité qu'on ne puisse pas communiquer sur des choses. Des enquêtes qui sont en cours. L'enquête est en cours et les personnes ne sont présumées innocentes de ce point de vue-là. Parfois, ça pose un certain nombre de problèmes et d'accès à l'information ouverte. Je pense que ça également, nous l'avons inscrit dans notre agenda de 2021. Au-delà même de ces journées portes ouvertes, il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure des mercredis de la police. Je pense qu'également, c'est une des activités inscrites dans notre agenda de 2021 et qui permettra en réalité d'avoir des rencontres périodiques avec les différentes directions de la police nationale et qui seront organisées avec bien sûr d'autres personnes, d'autres experts extérieurs en collaboration avec la presse pour mieux communiquer sur ce qui se fait au niveau des directions, pour permettre également à la police de s'ouvrir davantage, comme d'aucuns l'ont indiqué, pour être beaucoup plus proche de la population. Donc ce sont des activités qui sont inscrites dans l'agenda d'activité du Bureau des relations publiques pour l'année 2021. Voilà, Ibou Diouf disait effectivement qu'il faut pérenniser ce genre de rencontre pour préserver les bonnes relations avec la presse, parce que par moment il y a eu quand même quelques couacs. Oui, en fait, je pense que c'est une question d'ailleurs qui rejoint celle qui a été posée tout à l'heure par notre ami de la TFM, je pense, qui avait parlé en fait de ces rapports-là parfois heurtés sur le terrain entre les journalistes et la police. Nous avons considéré en réalité que on ne peut en aucun cas être des adversaires. C'est pas possible. Vous faites partie de la population, nous faisons partie de la population. Le travail que vous faites, c'est un travail qui est destiné à la population. C'est un travail d'utilité publique. L'information, la communication est un travail d'utilité publique, comme l'est le travail de la police. Donc on ne peut pas en aucun cas être des adversaires. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est qu'en réalité, parfois, il peut y arriver qu'il y ait des incompréhensions. Et ces incompréhensions sont parfois surmontées. Parfois, je dis
il est bien d'organiser ces genres de rencontres, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est l'occasion pour nous de discuter sur comment est-ce que les journalistes peuvent intervenir sur les théâtres d'opération, faire leur activité, leur travail convenablement, sans pour autant être inquiétés par la police. Et ça également, je pense que un travail doit être fait, c'est vrai, du côté de la police, comme également un travail doit être fait du côté des journalistes. Parfois, on voit, par exemple, il y a une manifestation, il y a des journalistes qui sont sur le terrain et qui ne peuvent pas être identifiés, qui n'ont pas de gilet, ainsi de suite. Non seulement le journaliste doit être identifié et identifiable, mais également il y a une place qui est réservée aux journalistes sur ces théâtres d'opération pour pouvoir être protégés par les forces de sécurité. Et je pense que c'est un cadre qui est propice, pour lequel cadre il est possible de discuter de ces possibilités pour voir dans quelle mesure on peut aller vers la possibilité d'identifier, ça c'est vous qui pourrez voir au sein de vos différentes corporations, comment est-ce que les gens pourraient aller vers l'identification des journalistes qui pourraient être, in fine, être protégés sur les théâtres d'opération. Mais je pense qu'il y a un travail qui doit être fait par la police, mais il y a également un travail qui doit être fait par les journalistes. Parce que parfois, il y a une manifestation, quelqu'un vient vers vous dire « je suis journaliste », il n'a pas de carte de presse, il n'a pas de gilet qui permet de l'identifier, ainsi de suite. Et tout ça, ça pose des problèmes qui fait que parfois il y a certaines incompréhensions, mais à chaque fois que le journaliste est identifiable et identifié, il est toujours protégé, parce que c'est ça le rôle de la police, c'est ça le rôle de celui-là qui est là pour maintenir l'ordre. Il n'a pas intérêt à charger les journalistes, sachant qu'ils sont là pour faire leur travail. Youssouf Sané, de quoi le IGFM, de quoi la police n'est pas satisfaite de ses rapports avec la presse? Donc, quels sont les points, les aspects où véritablement la police n'est pas satisfaite du traitement de l'information qui la concerne? Bon, de principe, de manière générale, moi je vois que la presse sénégalaise est une presse très très responsable. Ça, c'est pas parce que vous êtes là que je le dis. Aujourd'hui, je dis souvent que je suis aujourd'hui le premier collaborateur de la presse dans la police, mais je considère que nous avons une presse très responsable. Mais parfois, il y a certaines règles, parfois même que je considère comme étant les règles de base du journalisme, qui sont parfois foulées aux pieds par certains qui se réclament journalistes. Je donne des exemples simples. Parfois, il nous arrive de voir au niveau de la presse ou d'entendre à la radio ou à la télé, ça dépend, une information, alors qu'en réalité, celui qui est à l'origine de ce papier n'a même pas fait l'effort d'aller vers la source, c'est-à-dire de faire le recoupement. Moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je pense que le recoupement est l'un des principes les plus élémentaires en matière de journalisme. Quand j'ai une information qui me parvient, mais la première des choses, c'est d'aller faire un recoupement et de voir la véracité de l'information avant de pouvoir écrire mon papier en toute responsabilité. Et parfois, je vois que ce principe-là n'est pas du tout respecté. Et ça pose un problème. Il m'est arrivé à maintes reprises d'appeler des personnes qui ont été à l'origine d'un papier et qui, après, m'ont dit « Bon, commissaire, je ne sais pas. » Mais le mal est déjà fait. Ça pose un problème. Et je dis que ce n'est pas, en fait, un coup qu'on porte seulement à la police, mais c'est un coup qu'on porte à la sécurité de manière générale. Voilà. C'est la sécurité qui reçoit un coup. Et personne n'y gagne. Que ça soit moi, policier, vous, population. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les journalistes ont une très lourde responsabilité. Très lourde responsabilité. Parce que de par la plume, vous pouvez déstabiliser un pays. Donc il est important que celui-là qui écrit,
puissent apprécier ces responsabilités-là. Et je considère que la plupart vraiment des journalistes le font. Moi, je suis très très accessible. Vous m'appelez à 2h du matin, 3h du matin, je prends mon téléphone. Même si je ne peux pas satisfaire votre demande, je prends mon téléphone. Et je pense que le numéro du BRP, c'est un numéro que tout le monde a. Donc le fait de faire l'effort simplement de m'appeler pour me dire, commissaire, j'ai appris telle information, on a reçu telle information, et de voir la réaction de la police, moi je pense que ça ne changerait en rien le format, ça ne fera qu'embellir les rapports et peut-être donner plus de crédit à l'information que l'on donne. Bon, là c'est la peau aussi du confrère, je vais essayer d'ajouter quelque chose. Je pense que, voilà, je pense que, commissaire, je comprends cette réaction des confrères par rapport à cette question. Et mon souhait également, parce que je suis journaliste, est que cette réactivité puisse se faire. Parce que, quelqu'un l'a dit ici, quand il n'y a pas cette réactivité... Merci, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt dans le débat. Je remercie encore le doyen Arona Gueye d'avoir revenu sur cet aspect-là. Moi, je considère que c'est très, très important. Il faudrait que Kounek mouy xol lan mouy tirem ci bir affaire bi. Que ñu bañ rek diko jox ni bon police mo def li wala média bi mo def li. Il faudrait que ñu xol ko en toute responsabilité, que l'on puisse dire ah man kat affaire bi li mo ci suma tir. Donc il faudrait me def en fait effort bi pour mener surmonter obstacle. C'est très très important. Il m'est arrivé un jour, j'ai fait une émission ci ben télé, ben site reprendre ko benen site def ci un article, benen site diko reprendre. C'était un débat contradictoire avec un activiste qui est dans le domaine de la protection des droits humains. Mais il a confondu complètement les propos. Il m'a attribué les propos de l'un, il a fait complètement. Et quand je l'ai interpellé, il m'a juste dit, non, commissaire, moi, je n'ai fait que reprendre l'article. Je lui ai dit, allez-y revoir l'article que vous dites reprendre, avoir repris. Mais après, il m'est revenu pour me dire, non, commissaire, Marie Diégoulou. Finalement, il a été obligé de refaire un autre article pour rectifier. Donc, c'est genre de situations qui font que parfois... Bon, il est important que man, en tant que force de police, me relate également l'une de mes reproches pour résoudre, parce que c'est bénéfique d'abord pour moi. Donc, si on le regarde comme une critique ou l'un de nous donne, mais c'est juste dans le sens de dire, ah, man qui a fait un défaut, ni d'une gueule de Jack, d'une gueule de Raphaël. Moi, je pense que lolo, c'est en fait le but de la manœuvre, quoi. C'est ce qui est le plus important. Maintenant, on a voir tout à l'heure des questions de tracasserie et ainsi de suite. Moi, je considère que comme l'on dit tout à l'heure, qui concerne aujourd'hui les journalistes, faut montrer dans n'importe quel corps, dans n'importe quelle administration, il y a des actes isolés. Des actes isolés qui ne peuvent en aucun cas être cautionnés. Ça, c'est très clair. D'ailleurs, en réalité, de sorte que dans notre statut, il y a des sanctions qui sont prévues en cas d'écart de comportement. Quand un policier faute, il est lourdement sanctionné. C'est parce qu'en réalité, les sanctions disciplinaires ne sont pas très souvent portées à la connaissance du grand public. Mais à longueur de journée, des fonctionnaires de police qui sont incriminés pour ces faits font l'objet de sanctions. Mais le problème qui se pose, c'est que pour un acte isolé, moi je ne peux pas me permettre de faire le jugement, le procès de toute une institution. Aujourd'hui, des journalistes ont fait des choses pas du tout orthodoxes, mais ça ne me donne pas le droit de juger la corporation qui est composée de femmes et d'hommes valeureux qui respectent jusqu'à présent les fondamentaux de leur métier. Donc moi je considère que lolu mu am mu baña am munul nek lu police di cautionner. La police a toujours été au devant pour la sanction de ces actes, de ces écarts de comportement. Et lolo également, ni nous avons intérêt à assainir notre métier, c'est de la même manière aujourd'hui que le journaliste, la corporation a intérêt à assainir son milieu. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Si on laisse les portes comme ça, les fenêtres, tout le monde entre,
quand, comme ils veulent, quand ils veulent, fondamentalement, ça pose un réel problème. Et c'est ce qui, aujourd'hui, tous ces reproches-là qu'on est en train de faire par rapport à notre métier ou au métier du journalisme. Mais moi, je voudrais vous rassurer pour que vous puissiez savoir que la police sanctionne ces faits-là. Il y a même des personnes qui ont été sorties des rangs parce qu'ils ont commis des actes qui ne sont pas du tout orthodoxes. Ça, c'est très clair. L'autorité ne badine pas avec ça. Parce qu'on sent que si on laisse comme ça, finalement, ça va déteindre sur l'image de la police. Donc, finalement, c'est une panoplie de sanctions qui est prévue par notre statut et qui est mis en œuvre dans le sens de faire respecter l'ordre ou également les règles qui nous régissent. Pour venir à la question de Daoud Amine, je pense que c'est ça. C'est normal aujourd'hui. C'est vrai que ce dispositif-là qui existe, des caméras de surveillance, a un intérêt particulier aujourd'hui dans la gestion de la sécurité. Nous sommes dans un contexte particulier. C'est un contexte où on parle de terrorisme. C'est un contexte où la délinquance urbaine peut prendre une proportion assez inquiétante. Ce qui fait que des moyens parfois sophistiqués, l'utilisation des technologies de l'information, de la communication, peut aider les forces de sécurité, véritablement, à mieux accomplir leur mission. Maintenant, l'utilisation des données à caractère personnel est régie par une loi. Et nous avons la loi sur la protection des données à caractère personnel, ce qui pose un réel problème aujourd'hui. Parce que la plupart des gens qui sont soit souvent dans la communication digitale ne se préoccupent pas du tout de cette protection-là. Et la loi existe. Aujourd'hui, vous allez partout dans des établissements, les gens installent des caméras de surveillance sans même l'autorisation de la CDP, sans respecter les conditions. Vous voyez quelqu'un au niveau de la voie publique, vous vous permettez de prendre votre téléphone, vous le filmez, vous mettez, vous postez également pour dire que les gens parfois ne respectent pas les dispositions qui existent. Et pourtant, une loi existe dans ce sens-là. Donc la police ne peut en aucun cas méconnaître la loi sur la protection des données à caractère personnel, même si on a un dispositif aujourd'hui qui nous aide dans le sens de mieux gérer la sécurité urbaine, voilà, qui est le dispositif véritablement des caméras de surveillance. Parce que j'avais voulu prendre la préoccupation de Madame de Lérel. Voilà, donc, pour ñëw rek ci solo ndaje bi d'abord bala muy ñëw ci question yi dama bëgg ñu xam ni ñun depuis ci jamono yu bu bari pour les forces de sécurité dañoo xeyna dañ leen ni reprocher que duñu ubbé ku di communiquer avec la population té population bi ñoo tax ñuy liggéey donc li ñuy def la population dañ ko wara informer ci li nga xam ni police mu ngi koy def bis bu nek ngir fexé ba seen dundu mëna ñëw té ci loolu ci lañu xalaté ni dina jaadu ñu dajanté avec la presse ñun ñi nga xamni yeen la yalla nato ñu yor la communication de la police pour ñu mëna waxtaan suñu biir ñu xol lan moy jafé jafé yi nga xamni la presse mu ñu koy reprocher ñun en tant que service intermédiaire ou en tout cas interface ñu xol nan lañuy mëna def pour safara lool donc loolu mo indi solo ndaje bi alors amna ku wax rapport heurté man duma ko tuddé non damay japp ni yeen say ay ñaar ay jafé jafé la yo xamanteni xeyna olof yi dañuy wax ni ñu bokku ten ñoy laxaso ay goj loolu lu muy tekki moy c'est parce que dañoo bokkono nek sur le terrain que mënul ñak yeen say ñu am ay jafé jafé mais jafé jafé li ci am solo rek moy il faudrait ñu xamni police ak population police ak presse mënu ñu nek ay ennemi mënul nek police waxna sank ni presse travail bi mi def ni manam travail d'utilité publique la askan bi moko soxla mën nañ ko mengalé ak liguey bi nga xamni mom la police di def donc mënuñu nek en aucun cas nek ay ennemi légui nak li am solo moy ñu xol nan lañuy def ba ñuy permettre la presse bu ñëwé ci théâtre d'opération par exemple mu ñëw ci manifestation dina mën di def liguéyam comme ni mu waré té loolu waxna sank ni responsabilité yi ku ci nek war nga ci xol lan mo ci sa responsabilité police amul intérêt pour dire que les journalistes qui ont fait leur travail sont chargés. C'est ce que la police n'a pas d'intérêt. Mais je suis japonais aussi, qui a fait le travail sur le terrain, qui est venu pour manifester, qui est venu pour travailler. Mais il doit faire des péchés
ba alkati xamé ni ki ab journaliste la té lolu yakarna ni sen corporation yi aussi war nañ ci liggéey pour xol nan lañuy def ba ngeen am carte de presse bo xamanteni policier dañuy am spécimen bi ñu mën leen xamé benen bi ci top aussi ñu am ay gilet yo xamanteni dañuy xamé ni kuko sol presse la bok kuko solul bokul presse mais ko xamanteni dafa ñew solul gilet amul carte ba par di wax ni man presse la yeen say lolu day doon jafé jafé pour policier yi protéger ko benen bi ci top moy so ñewé ci bir manifestation dafa am fo xamanteni fofu nga wara taxaw sa place moy ci ginnaw alkati wala ci kwetu alkati pour ñom ñu mën la sam mais so démé dugg ci bir fi manifestation bi nek pour alkati sam la day pour alkati protéger la day jafé donc man lolu la japp ni moy jafé jafé bi mais li ci doon moy dinañ ko waxtané ci ay dajé yu bari yo xamanteni japp nañ ni ci année bi ñu dugg dinañ ko am ngir gëna xol nan lañuy def pour gëna rataxal suñu digënté ak population bi de manière générale mais jaaré ko ci ñi nga xamni ñoyor presse bi li jëm ci walu accès à l'information waxna ko sank dama wax ni xeyna yeen sa yeen seeni farata du nek farata ay police c'est-à-dire ñun il faut ñu nangul ñi ni aussi dañu nek corps de commandement manam liñ may denk cadre police awma droit xey rek waxal police té awma ci ndigal ñun loolu lañu jangal liñ ñu jangal moy loy def da fay am ndigal ñun loolu lañu jangal donc loolu yeen say nak day jouer ci procédure bi mën nga ma soxla pour ma intervenir wala mën nga ma soxla pour def ben reportage mais il faut forcément ñu jaar par autorisation ki nga xamni moy suñu kilifa légui nak autorisation bi depuis ma ñew ñu ngi jema fexé xol nan lañuy def pour gëna wañi délai ñu ci waxtaan ak autorité bi pour gëna xol pexé yi ñu mëna def pour véritablement di yombal mbir yi ci accès information parce que police également dafa am intérêt ci communiquer ak population bi donc yeen ñi nga xamni yeen ñu koy yombal su ngeen diké vers ñun aussi liñu war moy ñu ubbé ko vers yeen xol nan lañuy def pour jox leen li nga xamni war ngeen ko mëna am ngeen mëna ko jox la population les rencontres périodiques je l'ai dit waxna ni ci année bi ñuy dugg fasiyene nañ diko gën di def amna ko rappeler tout à l'heure wax ni police don na organiser les mercredis de la police ñu ci waxtaan di xol nan lañ mën def pour délossi lolu même bu féké wër bu nek ñu dajé ben yoon dina nekkat occasion comme niñ waxé tout à l'heure wax ni communiquer yi ñi def bu ngeen sañon dañ koy def maintenant ay point de presse du nek communiquer pour permettre leen ngeen mën di jot information mi lolu aussi dégg nañ ko dinañ ko jotali ki nga xamni moy suñu kilifa ñu waxtane ko mu xol lepp li nga xamni mën nañ ko def pour gën leen jappandal seen liggey ngir également permettre police mu gëna mëna communiquer bu soobe yalla dinañ ko def alors amna ko wax sank laaj lan la police di reprocher la presse waxna ni fondamentalement bari wul parce que presse bu professionnel lañu am ci lu ëpp ci ñuko composer mais damay japp rek ni yeen say amna ko waxon sank susciter na fi débat moy règle yi gëna basique rek buñ ko respecter rek jafé du am manam buma xamé ni amna information bi dañ ma wax ni ma sumako amé na ko recouper bu fekkon sax man wona ki nga xamné warna ko recouper ma woko jotumako wala ma woko mu bañ ma jox information boba suma bindé su dikaté ni ma ah lutax nga bind mané ah man wona la mais jotuma la wala wona la mais bëggulo réagir mais au moins ñu def l'effort bi nga xamni suñu règle éthique ak déontologie moñu ko sante ñu respecter ko bu bëgg ëlëgwé kenn duñu mëna jam kenn duñu wax lan motax nga bind nangam yow bi ngay bind respecter nga yoon li la yoon wax yépp nga jaar nga fa ba bind boko bu ko défé jafé pour mu am ci du jafé alors réactivité entre réactivité pour éviter la rumeur wa lolu mom waxna ko tout à l'heure moy lima wax tout à l'heure rek ni dinañ ci gëna bayyi xel xol nan lañuy def ba bëgg yi ngeen di am ngir mëna couvrir yenn activité police bëgg yi ngeen am ngir mën di def jot yenn autorité police pour def ay interview dinañ ci gëna waxtaan ak autorité bi détali ko seen ay doléances bu ko défé ñu xol nan lañ mëna def ba permettre len ngène de sen liguey ci informer population bi mais informer len ci information bu juste et vrai parce que kenn waxnako tout à l'heure information bu bo xamne dafa la sécurité dañu wara ko véhiculer avec beaucoup de responsabilité parce que kiko joxe amna ko wax tout à l'heure boko joxe kiko lire
yobale ko xeyna buñ dikaté diko démentir mom du féké lool donc le mal est déjà fait donc ki nga xamni mo koy joxé na xolaat taxawayam xamni mom aussi citoyen la mais du citoyen bu simple parce que citoyen la bo xamanteni ñu bari dañ koy xaar diko déglu daf leen di orienter ci mom lañuy conscientiser wo donc momit warna conscient ci lool non ba nga xamni lepp lu muy def dina xamni mom kat limi def tek nako ci règle yi nga xamni mom lañ ko mom mo teunk métier ba bu ëlëgé jafé jafé du ci bari voilà en tout cas c'est ces mots là wa caméras de surveillance lima wax sank dama ni les caméras de surveillance autorité dañ ko xalat parce que japp nañ ni da fay ñëw ngir dolel ligéyu force de défense et de sécurité tay ni ngeen gisé seen liguey walu communication nga xamni digital daf ci am solo ken mënatu ko ci guéné la communication digitale légui nouvelle technologie de l'information de la communication da fay dicté wu ci fann bu mu wunti doon ba nga xamni tay ñu ngi wax cyber sécurité ñu ngi wax ay cyber criminalité liko waral moy les nouvelles technologies dañu envahir manam domaine yépp lool motax sécurité également mënul baña jël en compte développement ou technologie de l'information de la communication lool mo waral tay bo len gisé Dakar yépp ak danaka légui ñu ngi koy tass ci région yépp dañuy am ay caméras de surveillance yo xamanteni def ñuy jappalé ci liggéey bi nga xamni dañ koy liggéey ngir gëna bayyi xel ñi nga xamni ñom bu guddi joté nit ñi teud ñom dañuy xey di wër di def way ñaawteef maintenant li nga xamni laaj nako ci nan lañ koy exploiter ak lu ci aju damay wax ni police mënul baña respecter li nga xamni yoon moko teurel Sénégal dafa am luñu wax la loi portant protection des données à caractère personnel mom mo encadrer nan lañuy collecter ay données nan lañ koy diffuser nan lañ koy lan moy nek sen finalité manam sen fin lolu lepp loi bi daf ko teunk donc lolu police dafa am obligation qui respecter côté police lolu la nek lima ci rappeler rek moy ñu bori ci ñi nga xamni ño nek ci communication digitale duñu bari luñuy bayyi xel loi bobu dañuy bayyi di duggal ay photo jambour wala ay vidéo jambour té duñu bayyi xel ci loi yo alors que Sénégal amna dispositif bo xam permettre na nit ki ci protection des données à caractère personnel ñu protéger li nga xamni ay données la su féké ni mom amuñu consentement pour soit ñu collecter ko wala ñu diffuser ko wala ñu def ci lén lu mu mënti doon voilà donc pour vraiment résumer lolu la ni won na ci waxtaan ak yeen nañ ci partager ça a été vraiment un plaisir de vous accueillir